Le vol d'étoiles ne se fait pas seulement une fois. Genre, j'étais chez ma tante, elle m'a envoyé, elle m'a amené chez un tradit, et puis là-bas, ils ont pris. Parfois, tu as quelqu'un à côté de toi, peut-être chez toi, ou quelqu'un qui est au courant de tes choses en première ligne. Parfois, vous pouvez avoir vos hommes de main, vos assistants personnels qui volent vos étoiles. Faites d'ailleurs très attention à ces personnes. Donc, la personne vit chez toi, la personne est là à côté de toi, a accès à tes enfants, de ce qui te concerne, ta maison, tes affaires. Elle peut parler un peu par-ci, par-là. Chaque jour, quand tu conçois un projet, la personne fait partie des premières personnes qui sont au courant. Ah, on veut faire les papiers de son fils pour qu'il parte au Canada. C'est elle que tu envoies de partir photocopier les documents. Ah, on veut faire les préparatifs pour le mariage de sa fille. C'est elle que tu envoies pour aller au marché faire les achats. Ces personnes, je vous le rappelle, ont beaucoup d'années et de vie antérieure de pratiques négatives. Ce qui fait que leur mauvais œil est très puissant. Je n'ai pas dit qu'ils sont plus puissants que vous, mais leur mauvais œil est puissant. Parce qu'ils ont développé déjà cela. Toi, tu n'as pas encore développé ta part. Quand tu tombes sur mes vidéos, tu dis, ah, elle bavarde trop. Du coup, ils ont développé la capacité. Quand ils voient, quand ils viennent chez toi pour travailler, ils voient ton enfant. Ils connaissent que l'enfant, s'il va aller loin. Et s'assoit à côté de l'enfant à chaque jour. Progressivement, ils lui donnent des mauvaises idées. Ils voient l'enfant faire quelque chose de mauvais, il ne parle pas. Ils viennent faire un mauvais rapport sur l'enfant, ça vous énerve. Vous grondez l'enfant. Oui, je ne vais même plus faire ça pour toi. Je ne vais même plus faire ça. La personne est en train de progressivement voler l'étoile. Si c'est ton frère ou ta soeur, par exemple, quand la personne est chez toi, la personne a ses enfants. Finalement, ok, il faut aller inscrire tes enfants à l'école. Mettez votre téléphone sur vibreur, s'il vous plaît. Le bruit, je l'entends jusqu'ici. Donc, du coup, ce truc d'étoile, quand à la rentrée, généralement, tes enfants partent à l'école de 1 million. Tu les vois, tu dis que ouais, c'est quand même ma petite soeur, non, ouais. Tu te sens obligé de prendre ces enfants pour les mettre au même niveau que tes enfants. Il y a un vol d'étoiles qui commence. L'étoile, c'est aussi à travers les paroles. Tu laisses ta fille chez ta soeur. Les paroles qu'on va dire à ta fille pendant 3 ans que tu seras chez elle, sera chez ta soeur là. On te donne que des mauvais rapports sur ta fille. Toute la lumière qu'il y avait sur ta fille diminue. Quand tu reprends l'enfant, l'enfant est brisé. Et en reprenant l'enfant, même on te dit, prends aussi ma fille. Tu prends son enfant, tu traites bien, alors que chez elle, ton enfant était maltraité. On a un échange d'étoiles qu'on a fait. Ton enfant descend en faveur, son enfant monte en faveur. La méditation de cette personne. Vient chez un traducteur praticien ou bien quand vous contactez un spiritualiste, c'est juste pour que Matthieu 18, verset 18 se mette en pratique. Quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, tout ce qu'ils demandent leur est accordé. Le traducteur praticien, le spirituel, le nganga, la magnétie et celui qui vient comme client. Je veux ça. Il dit, ah, ok, donne-moi l'argent, donne-moi ceci en échange. On s'accorde et on médite. Comment on médite là? Il y a une puissance qui se crée. Il y a des personnes de votre famille, s'il vous plaît, qui ont déjà développé ça. C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, mais c'est une sorcière. Du côté négatif. Depuis que vous étiez petit, elle a tout dominé sur toi. Son cas, tout est mauvais. Parce qu'elle a cette, elle manipulait vos parents. Toi, aujourd'hui, ah, c'est ma soeur, non? C'est ma soeur. Ses intentions, on t'a toujours dit que fais attention à ta soeur. Voilà comment vient on vole vos étoiles. Parfois même avec vos hommes, tu rencontres un homme. Oh, tu commences à lui. Tu t'achètes un truc de 100 000, tu lui achètes quelque chose de 100 000. Il a travaillé comme quoi tu es à ton niveau. F. J'ai envie de. Je veux sortir les mots. Après, tu te sens mal, tu veux porter tout pour lui donner. Vol d'étoiles, chérie. Appelez ça comme vous voulez.
Soyez intelligent. Be wise.